Bonjour à vous, eh bien je m'appelle Jean-François Dussard, je suis cuisinier animateur à la Maison de l'Environnement, au Malsaucy. Et donc c'est quoi cuisinier animateur? C'est tout simplement jouer avec l'alimentation, c'est aller informer, sensibiliser, et donc aller dans les écoles, mais aussi accompagner le secteur associatif, les entreprises, à manger autrement, c'est-à-dire à manger des produits locaux et bio, hein, et on est riche dans le territoire de ce genre de produits, manger moins de viande, et intégrer le repas végétarien. Et là, notre thème, c'est le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, parce qu'on n'utilise pas toujours tous les produits, quoi. Dans les établissements scolaires, on va gaspiller par près de 142 grammes par jour et par enfant. Et le gaspillage, c'est utiliser les produits jusqu'au bout. Comment est-ce qu'on cuisine les restes de frigo? Les restes de frigo, ça va être surtout les dynamiser. Utiliser le produit jusqu'au bout. Le dynamiser avec des jolies épices, par exemple, des plantes aromatiques, du persil, de la coriandre, et aller au bout du produit. Est-ce que sur ce chou-fleur, je peux récupérer des jolies feuilles qui sont toutes tendres là? Oui, bien sûr. Je vais pouvoir les couper et les faire cuire avec mon chou-fleur. Sur le brocoli, par exemple, est-ce que le tronc du brocoli irait dans le compost? Non. Ce tronc de brocoli, on va pouvoir l'éplucher, le couper en bâtonnets et obtenir soit des petits dips de légumes, soit le mettre en cuisson pour faire un gratin. Donc on peut aller vraiment jusqu'au bout, c'est tout tendre, délicieux, croquant. Donc allons au bout des légumes. Regardez voir ce joli chou-fleur violacé. Et les parties extérieures vont pouvoir aller dans la soupe et on va aller au bout du légume et ne plus rien remettre au compost. Alors, avec un reste de pain dur, on va pouvoir faire de la chapelure. Et avec cette chapelure, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de paner des légumes. Regardez un petit peu ce corail des légumes de la planète chou. Voilà, des légumes de REP qui n'ont pas reçu de produits. Il y a une petite chenille qui s'appelle la périte du chou. Et bien là, pas de produit pour l'éloigner. C'est de l'agriculture en bio. On va paner ces légumes avec une chapelure. Une chapelure qu'on peut, si l'on souhaite, l'aromatiser. L'aromatiser avec des épices. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire quelque chose un peu d'exotique. On a besoin un peu de soleil et donc on va y mettre un joli curcuma avec de la coriandre et on va faire une chapelure aromatisée. On va mettre de la coriandre. Un joli curcuma. Alors, le curcuma, c'est l'épice principale du curry. Voilà. Et nous allons pouvoir tremper nos brocolis dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Et on peut le faire deux fois de façon à avoir quelque chose de bien croustillant. Et hop, et on retrempe dans l'œuf et dans la chapelure. Ces petits légumes sont panés, on va les mettre à cuire. On aurait pu les blanchir pour qu'ils soient vraiment cuits, mais alors moi je trouve que le petit croquant il va bien là. Donc on va juste les échauffer, faire griller la chapelure et ça sera très bien comme ça. Alors cette deuxième recette à base de pain, après la chapelure, ça va être le pain perdu. Et donc pour faire ce pain perdu, nous avons des jolis œufs de la prairie, nous avons un fromage de chèvre de la Collonge, parce que nous allons faire une version sucrée et une version salée. Attention, c'est parti! On prend le pain qu'on va tremper dans l'œuf et le lait. On le laisse imbiber de façon à le ramollir.
notre pain a bien imbibé dans notre mélange d'œufs et de lait et nous allons pouvoir le mettre à griller. Alors, il n'y a pas de sucre. Là, c'est vraiment pour faire une version sucrée et salée. On déclinera cette différence juste pour finaliser le pain perdu. Pour la version sucrée, ce que je vous propose, c'est de faire griller un peu de pomme avec. Je vais les couper en bout de façon à faire des petits canapés. Passer. Nous allons finaliser notre version salée. Donc, nous avons notre joli fromage de chèvre du paysage. Je propose de l'associer avec une mandarine. Et on va le mettre en mouvement dessus comme ceci. Regardez voir un peu comme il est beau. Il est beau comme les pyramides de la maison de l'environnement. Donc comme je vous le disais, l'important c'est de dynamiser ses restes avec des belles choses. Ce vieux pain tout dur, il est ramolli, il est tendre. On y a mis un joli fromage de chèvre, un fruit qui commence à rentrer dans la saison. Et là, eh ben, on va finir par un joli poivre timout, hein, qui a un parfum un peu d'agrumes. Voilà, c'est d'être équipé avec des jolies épices dans la maison, des plantes aromatiques, des condiments, et avec cela, on peut dynamiser nos restes. Voilà. Et pour finir, ce que je vous propose, c'est prendre une petite tagliatelle de carottes qu'on va finaliser avec un petit nœud et qu'on va poser sur notre fromage de chèvre. D'avoir un petit peu de verdure, du vivant, pour une alimentation vivante, pour un corps qui est bien vivant. On va finaliser notre pain perdu avec une petite cuillère de petit marronella et un petit kiwi, plein de vitamines, c'est le début de saison. Et voilà, nos deux recettes sont réalisées. Le pain perdu sucré salé avec des jolis produits du paysage et les légumes panés aux épices ou autres. Donc n'hésitez pas à vous l'approprier, à refaire chez vous, à l'adapter à votre goût. Et puis surtout, faites-nous un petit coucou, hein, soit par mail, faites-nous des retours sur Facebook. N'hésitez pas à venir nous retrouver à la Maison de l'Environnement. Dans le programme 2021, vous saurez composer des ateliers pour vous.